1914. Tout va bien. Je précise, avril 1914, et je répète, tout va bien. La France est en liesse, l'entente cordiale bat son plein. Les ministères arrivent à tenir, plus d'une semaine. La chute du ministère Ribot. Échec du ministère Viviani. Les conflits sociaux sont aplanis. Les taxis sont en grève, madame. La République est de plus en plus républicaine. L'empereur. Les techniciens de la stratégie font des pronostics optimistes. Si la guerre éclatait, je lui donne 3 jours. Avec les armes modernes, 3 jours. Le théâtre des Capucines fête la 100e de sa grande revue. Je lève donc mon verre à la gorge parfaite de Liliane Dex. Gorge qu'on chanterait volontiers sur l'air de Tététon et Tétontaine. L'esprit français ne vieillit pas. La belle époque devient jeune fille. Elle a 14 ans. Les belles ont un peu plus de 14 ans. Un tout petit peu plus de 14 ans. En résumé, la période rêvée pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Avec 15 jours, je pense à elle. J'en perds le boire et le manger. Le manger peut-être, mais le boire... Goûtez-moi ce qui reste 1815. Allez, funeste pour la France, mais bénéfique pour le qui reste. C'est à cette époque bénie, insouciante, que vécut Maxime. Pour moi. Pour moi. Pour nous. Canaille. C'est moi qui le tromperai la première. Eh ben tiens, puisque t'es là, ben pourquoi pas? D'abord, moi j'aime les hommes de ton âge. Eux au moins ils savent vivre depuis le temps. C'est écrit dans Shakespeare. Ah, si c'est écrit dans Shakespeare. Mais pour devenir un mari très bien, il faudra apprendre à danser. Imbécile. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais amoureux d'elle? Mais ça simplifiait tout. Comment est-elle, cette Madame Monrand? Brune, blonde, facile ou imprenable? Aucune idée, monsieur. Jacqueline Monrand, Jacqueline Monrand. Cher Maxime, je suis une femme sans mystère, sans amour, sans attache. Et heureuse, réflexion faite. Non, Robert! Pas Robert, Hubert. Maxime, de quoi avez-vous peur? On dirait que vous jouez une mauvaise pièce de bataille, on n'y croit pas. Ah, si j'avais 30 ans de moins. J'aurais 5 ans. Ce serait du joli. De ce temps-là, on savait aimer. Maintenant, avec le progrès, nostalgie. Vous demandez comment elle est, cette petite? Permettez-moi de me présenter, Maxime Cherpré. Je l'aime bien, moi, Maxime. Quel chic il avait. Une branche à se pendre après. Si j'écrivais mes souvenirs... Note d'une blanchisseuse. Qu'est-ce que t'en fais de la connaissance du cœur? Seulement dans mon théâtre, à moi, il n'y a qu'une place. Parce que moi, je suis une fille honnête. Mais alors, si on manque un pardon, j'ai un lit et je sais recevoir. Et vers lui, c'est moi. Hélas, très fugeant. Hubert, très fugeant. Il est exactement 11h. C'est bien possible, pourquoi? J'ai décidé qu'à 11h précis, je vous dirai que je vous aime.